Allez, on se retrouve pour le match contre Rennes en Ligue 1 Conforama pour la journée 23, si je dis pas de bêtises. C'est Rafinha. Par contre, N'Djanti 71. Avec le numéro 92. Je sais pas. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match avec un nouveau gameplay. Traoré, Rafinha, Traoré. Attention, le bon ballon sur Mbanyang. Heureusement qu'il a raté sa frappe et pas de pénalty concédé par Mandanda. Heureusement parce que il avait fait sortir. La passe était dévastatrice. De la City, si je dis pas de bêtises. La Mandanda, il aurait pu concéder un péno, mais heureusement qu'il ne l'a pas concédé. Toujours 0-0 entre Rennes et Marseille à la 20e minute de jeu. Oh! Quoi, il n'y a pas faute et ça? Oh, c'est bon. Il est même parti ce match. Bon, 0-0 à la mi-temps contre Rennes. Je vous rappelle qu'ils nous avaient battu 2-1 au match aller au stade Roazhon Park. Donc voilà, je vous retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. Bonjour. Pressing, bien joué de Boubacar Camara. Oui, Radonjić ! Son quatrième but de cette saison, si je dis pas de bêtises, vous, de toute façon, vous le voyez affiché sur votre écran. Quel bon match pour l'instant. Là, Camara, c'est lui qui fait toute la différence. Il prend ce ballon. Et là, Payet, à la base, je voulais l'adresser à Pamela Deto. Mais Radonjić était encore mieux placé pour surtout avoir un centre. Et ça fait 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. But à la 84e minute de Nemanja Radonjić. Et ça fera sans doute. Enfin, bon, avec quelques doutes, on sait jamais, mais une victoire pour l'Olympique de Marseille, car attention, faut pas qu'il sente là. Ouh, belle parade de Mandanda. Très belle, très beau plongeon de Mandanda. Bon, après, le plongeon, il était plus pour la photo. Ça passe pas ce ballon dans la profondeur pour Pipa Benedetto. Ah, ce ballon il passe pas non plus. Allez, la victoire 1-0 sur un très beau but de Radonjić avec une très belle récupération de Boubacar Camara. On gagne 1-0 dans ce match. Go to Champions League MDR. Donc Saint-Etienne qui a perdu. Strasbourg qui a gagné 4-0 Lyon. C'est quoi ce truc? Strasbourg qui gagne 4-0 Lyon au stade, au Groupama Stadium ou au parc. Ou dites comme vous voulez. Mais 4-0 pour Strasbourg à l'extérieur contre Lyon. C'est quoi ce truc? Brest qui gagne 4-0 contre Nantes. Ça fait peur.
Non, je vous jure, ça fait peur. Ça fait un peu peur quand vous voyez ça. Allez, on passe à la sixième place de ce classement. Donc, on va se retrouver pour le match contre le FC Nantes pour la journée 24 en Ligue 1 Conforama. Allez, à tout de suite! Allez, on se retrouve pour le match contre Nantes au stade de la Beaujoire. Très beau stade, honnêtement, de la Beaujoire, que je trouve très beau. Allez. Allez, les joueurs qui rentrent sur la pelouse de la Beaujoire. Avec les arbitres assistants et. Enfin, l'arbitre principal, l'arbitre assistant et. Désolé si ça bug derrière. Hein. Ça bug un peu derrière. Là. On voit les éclairages, on dirait qu'ils bug. Le toit aussi. Allez, alors que nous voyons la photo de groupe du côté de Nantes, alors que Oliro est le gardien. Avec Giroto, Basilea, Fabio, Traoré, Touré, Moutoussami, Bouza, Blas, Coco et Koulibaly sont sur cette feuille de match du FC Nantes. Allez, à la composition de l'Olympique de Marseille, la voici avec. Enfin, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Avec l'attaque qui a un carton jaune de suspension. Donc, Payet, Aketo, Vincent Son et Bounassar ont un carton jaune de suspension. Allez, allez. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez, Rongier qui intercepte face à son ancien club. Thauvin. Oh, il a trop croisé sa frappe du pied droit. Jean Thauvin, ça part d'une récupération de Valentin Rongier qui joue contre son ancien club. Et Thauvin qui... Qui la croise trop, ça frappe toujours 0-0. Oh, à la 13e minute de jeu. Allez, Thauvin sur Bounassar. Non, Marlac, il a pas pu reprendre. Oh non, que c'est dommage. Oh, c'était une action magnifique là. Là, j'ai voulu centrer à rater, mais j'ai pas réussi. Là, Marlac qui fait une passe. Sarr qui frappe et ça fait. C'est l'équerre, je crois. Je vous remonte l'action là. Je suis désolé pour ceux qui sont pressés, mais elle est trop belle. Là, hop, le centre. Bon, là, Marlac, il peut rien y faire. Et là, j'avais appuyé pour faire le pressing. Et du coup, ça fait une passe. Mais là, la frappe. Désolé s'il y a marqué Sarr dans le dos. On va dire qu'il s'est trompé en inscrivant son nom. Là, ça fait le poteau et ça ressort ensuite avec de l'effet. Toujours 0-0 à la 20e minute de jeu. Et le pénalty obtenu par Marlac et après le dernier obtenu contre Angers. C'est Payet qui va prendre ses responsabilités de ce pénalty. Comme Pipa Benedetto a été placé sur le banc. Là, il joue très très bien le coup. C'est la vitesse qui fait toute la différence. Parce qu'il va la jouer sur Florin Thauvin. Et il va obtenir un péno surtout. Allez, pitié qu'elle rentre. Et oui, le but de Dimitri Payet. Inscrit. J'ai bugué, ouais. Allez, ça fait 1-0 à la Beaujoire. Non, on est trop fort pour obtenir des pénaux, nous. Eh ben ouais. Là, on revoit Marlac qui joue très bien le coup. Et Payet qui transforme son pénalty. 1-0 juste avant la mi-temps. On va rester ensemble en attendant la mi-temps. Et peut-être pourtant un potentiel nouveau but. Non, je pense pas. Et Landa qui captera ce ballon. Quel dégagement.
Et la mi-temps ici au stade de la Beaujoire. 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille avec un pénalty de Dimitri Payet juste avant la mi-temps. On se retrouve pour les meilleurs moments de cette seconde période. Allez, Trotman, enfin Nkunku du moins. La transversale, attention! Oh là là, les contrôles, les gars! Purée, normalement, on doit savoir faire des contrôles depuis 9 ans, les gars! Pas depuis qu'on a 27 ans! Oups! Le petit pont! J'ai cru qu'il avait chipé le ballon là, ok. Et le but du FC Nantes! L'arrêt! Même pas la réduction du score, égalisation. À la 72e minute par l'ancien Guingampé, Marcus Coco. Mounassar, Marlaquet et là la... comment oh, c'est n'importe quoi. Oh, attention, il y a des gros cafouillages. Des gros cafouillages, je peux vous dire. Et ce sera, j'ai vu qu'il y a un blessé, je crois. Ça doit être Valentin Rongier. Oui, bien joué, mon mandat. Allez, Marlaké. Qui est crevé. Allez, Maximo Pasqui concédera la faute. Allez, allez, pas de carton pour Max Lopez. Pas de fois, mais si quand même. Normalement, c'est le rouge parce qu'il partait quasiment seul au but. Hein. Même pas le jaune. Benedetto, non, qu'est-ce qu'il loupe pas? Peut être déçu. Ah que oui, il peut être déçu de ce loupé. Ah que oui, en plus il y avait Liadji derrière, j'avais même pas vu. J'aurais dû laisser le ballon entre les jambes. Ah que c'était que ce ballon il va coûter cher. Que il va coûter cher. Aïe aïe aïe. Ah, il a coûté cher ce ballon, cette dernière frappe depuis pas mal de temps. Bon, on accroche tout de même le nul à la Beaujoire, ce qui est quand même bien, quoi. Voici les résultats. Toulouse qui bat 3-0 Brest. Rennes qui bat 3-1 Metz. PSG qui bat 3-1 Nice. Purée, Lyon, il perd 4-0 à domicile. Contre Strasbourg, ils arrivent à gagner 1-0 contre Saint-Étienne, quoi.
classique. Hein. Bon, on se retrouve pour le prochain match. Oui, j'ai des négociations en cours. Eh ben ouais. Oh non, blessure pour Angers, les gars. Pour info, je vais un peu allonger les blessures pour que ça soit plus réaliste. Bon, les négociations, elles ont échoué. Les négos, elles ont échoué. Bon, Rongier, il est absent 6 jours. On va le... Ouais, attends. C'est combien 6 jours? 27, 28, 29, 30, 31. Non, 32, je bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bon, il loupera les deux prochains matchs contre Toulouse et contre Monaco. Bon, on se retrouve directement pour le match contre Toulouse. Pour ce dernier match de ce 9e épisode déjà. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour ce match au Vélodrome contre le Toulouse Football Club. Allez, l'entrée des joueurs. Pour les meilleurs moments de ce match. Allez, en ballon de Dimitri Payet, tire Pippo Benedetto. Et le but de Florentin, il a failli pas le mettre. Il a failli pas le mettre ce but. Fotov. Allez, ça fait plaisir de marquer. Marquer plutôt tôt dans ce match. Un peu avant la 20e minute de jeu. Kevin Amiens qui est dépité, on le voit à gauche de votre... Vous le voyez, du moins, à gauche de votre écran. La Benedetto, au lieu de marquer son 6e but, il préfère la passer à Thauvin qui est honnêtement juste. Hein. Là, c'est surtout cette passe de 500 qui est la différence. Et c'est surtout ces rebonds qui sont exceptionnels parce qu'ils permettent de ne pas aller trop loin et que du coup, Pippa Benedetto puisse reprendre le ballon. Et ensuite, il a joué sur Thauvin, qui prend merveilleusement loin Baptiste René, l'ancien Dijonais, à Toulouse et actuel Nîmois dans la vraie vie, qui a signé à Nîmes pour un montant de 350 000 euros. Honnêtement, avec la vente de Bernardoni, 7 millions d'euros, c'est rentable. Hein. Enfin, ah non, non, à chaque fois je confonds, c'est Bordeaux qui l'a vendu. Et Benedetto le but! Même pas 5 minutes, si à peu près 5 minutes après l'autre but inscrit par Florian Thauvin, il vient marquer et faire le break dans cette rencontre sur un long ballon de Boubacar Camara. Son 6e but TCC cette saison, si je ne dis pas de bêtises.
aussi, genre peut-être 7e, 6e, il me semble. Oh! Il a totalement loupé sa frappe en pivot, puis pas Benito. Bon, après, il a fait une passe en but dans ce match. On peut pas trop lui en vouloir d'avoir raté pardon, cette occasion. C'est le poteau sur qu'a trouvé Payet sur ce coup franc. Très très beau coup franc. Baptiste René était allé dans ses propres filets. Allez, mi-temps ici au stade Vélodrome, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Payet, il est déjà fatigué un peu. Quand même, pas mal quand même. On se retrouve pour les meilleurs moments de cette deuxième période. C'est quoi ça? Oh les gars, c'est quoi ce machin? Oh, je sais pas qui arbitre, c'est Turpin ou Benoît Bastien, mais déjà là. Alors là, s'il n'y a pas faute là, c'est quand qu'il y a faute? Parce qu'il vient l'accrocher. Ensuite, il vient doublement le crocheter. L'autre qui arrive, ensuite il plombe. C'est n'importe quoi. Allez Mandanda, quel bon ballon sur Pipa Benedetto. La deuxième passe décisive de Mandanda cette saison. Quelle parade de Baptiste René. Là on voit Mandanda. Quelle passe, quelle longue passe quoi. Parce que Benedetto en plus fait un magnifique contrôle, il est entouré de trois joueurs. Et quelle main opposée de Baptiste René. Ça passe pas cette frappe de Morgan Sanson. Toujours 2-0 à la demi-heure, à l'heure de jeu passé. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ce boulet de canon? Qu'est-ce que c'est que ce but de Max Alain Gradel? Qu'est-ce que c'est que ce but? Là, il part tout seul, il fait ses crochets, tout et tout. Quel boulet de canon! Bon, ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille, toujours, mais... ouais, belle frappe, hein. Chapeau. Chapeau Moting. Bon, je crois pas, ce gars-là, il a quand même mis un but comme l'Atalanta, quoi. Donc hein, il passe pas loin la récupération. Oh, qu'est-ce qu'il loupe Pratonic? Il loupe l'immanquable. Oh, celui-là, c'est le raté de l'année. Il loupe l'immanquable. Bon, on lui a dit qu'il ne peut pas faire grand chose de son côté, mais c'est le raté de l'année celui-là. Oui, le but de Radonjić. C'était une passe à la base. C'était une passe. Ce but au final. Hein. C'est Radonjić qui marque son. Il marque 35 buts quand même. Hein. Bah après, pour oublier qu'il a marqué son fameux triplé face à Grenoble. Là, j'ai demandé à Marlaquet de faire l'appel. Cette fois, Radonjić, il ne le loue pas, il récupère, il fait une passe. Tiens, une passe! Passe en profondeur! Allez, 83e, but de Radonjić, 3-1 pour l'OM, la victoire est quasiment assurée. On va pas oublier Barça PSG, hein.
Allez, Marlaquet. Quel... Coucou, coucou. C'est quoi cette parade de Baptiste René? Bois, bois. Il fait un match, fait le match de sa vie, là. Ils ont beau perdre, là, les Toulousains. Ils peuvent être contents d'avoir un Baptiste René. Hein. Moi, si j'étais eux, je serais content d'avoir un Baptiste René. Ce match face à Toulouse. On face à Toulouse. Ok, des bugs de notage. Je regarde le notage. Je crois qu'il y a eu des bugs de notage. Oh, PSG qui gagne Lyon. Ça peut être une bonne nouvelle pour le classement. Saint-Étienne qui bat 4-0 à Amiens. Nanana. Ouais. Allez, on passe. Non, on passe. Le gars, il se voyait déjà premier, tout et tout. Nanana. Toi, tu restes sixième. Tu vas passer par tous les machins qualificatifs. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Pour un bon épisode, quand même. Pour un bon épisode avec Monaco au stade de Louis II. Ensuite, Bordeaux et le Nîmes Olympique. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu aimes mon contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur le logo pour s'abonner. En cliquant sur le code abonné, n'hésite pas à mettre la cloche en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ensuite, n'hésite pas à liker, à commenter et à porter ton soutien pour moi. Donc voilà, c'était Mathieu 99. Je vous laisse avec la fin de vidéo. Ciao!